toujours. Madame la directrice générale de l'UNESCO, madame la ministre présidente de la Fondation des écoles de la Deuxième Chance, madame la présidente de l'Académie des sciences et des humanités d'Israël, Nili Cohen, messieurs les présidents du Technion, cher Peretz Lavi, et de l'Institut Weizmann, Daniel Safman, messieurs les présidents d'université, monsieur le directeur de l'école polytechnique, monsieur le directeur général de l'Institut Pasteur, monsieur le président de l'Institut français, madame la conseillère en charge de la culture et de l'éducation au cabinet du président, monsieur le conseiller aux relations européennes au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mesdames et messieurs les présidents des académies nationales de pharmacie et vétérinaire, monsieur le président de l'Académie des sciences morales et politiques, messieurs les secrétaires perpétuels des académies d'agriculture, des sciences d'outre-mer, mesdames et messieurs les prix Nobel, prix Abel et médaille Fields, monsieur le vice-président et madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés cet après-midi pour une séance à la fois solennelle et exceptionnelle qui se place dans le cadre de l'année croisée France-Israël. Quatre institutions de nos deux pays, l'Académie des sciences et des humanités d'Israël, le Technion, l'Institut Weizmann et l'Académie des sciences, se sont concertées pour organiser une série d'événements dont le premier prend la forme de cette séance sous la coupole. We are gathered this afternoon for a solemn and exceptional session that is part of the France-Israel cross-year. Four institutions of our two countries, the Israel Academy of Sciences and Humanities, the Technion, the Weizmann Institute, and the Académie des Sciences, have come together to organize a series of events, the first of which takes the form of this session under the dome. Allow me at this point to recall some outstanding characteristics of science and technology in Israel, a particularly developed sector as it allocates 4.2% of its gross domestic product to civilian research and development, one of the highest ratios in the world. Israel ranks fifth among the most innovative countries according to the Bloomberg Innovation Index. The share of Israel in terms of scientific articles published worldwide of 0.9% is significantly higher than its share of 0.1% of the world population, a factor of 9. Israel is also one of the countries with the highest per capita patenting rate. L'Académie des sciences considère que l'avenir appartient aux pays qui font le pari de la science. Et c'est bien le cas d'Israël. Israël et la France entretiennent, à juste titre, beaucoup de liens scientifiques. Et cette année croisée est précisément l'occasion de les consolider. The Academy of Sciences considers that the future belongs to countries who bet on science. And this is the case of Israel. Israel and France have rightly a lot of scientific ties. And this year precisely offers an opportunity to consolidate them. La matinée d'aujourd'hui a été consacrée à une rencontre entre, d'une part, des prix Nobel, Abel, médaillé Fields, et d'autre part, des jeunes Français. Cet après-midi, nous allons écouter trois prix Nobel et un médaillé Fields. Avant de leur laisser la parole, voici des citations de deux d'entre eux. Today's morning was devoted to a meeting between, on the one hand, Nobel Prize winners, Abel and Fields medalists, and on the other hand, French and Israeli youth. This afternoon, we will listen to three Nobel Prize winners and one Fields Medal laureate.
Before giving them the floor, here are quotes from two of them. This is what Serge Haroche is saying. Great scientific discoveries were all fortuitous and all resulted in technological achievements that scientists could not have anticipated beforehand. And here is what Aaron Chichanover is saying. Biochemistry is the science of life. All of our life processes, walking, talking, moving, feeding, are essentially chemical reactions. So biochemistry is actually the chemistry of life, and it's supremely interesting. Many thanks for traveling to France, and many thanks to all of you for being here and attending this beautiful session. My best wishes for a rich and memorable afternoon. Merci d'être venu en France, et merci à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Je vous souhaite une après-midi riche et mémorable. Merci.